Aujourd'hui, on a rendez-vous à l'hôpital Pierre-Paul Riquet au CHU de Toulouse. C'est ici qu'on a des personnes qui ont des traumatismes crâniens, par exemple accident de voiture, des AVC. En fait, toutes les personnes qui ont eu des soucis au niveau de la tête, du cerveau ou de la colonne vertébrale. On va passer une journée avec des infirmiers et des médecins et on va découvrir leur quotidien. C'est parti. J'ai Covid. J'ai Covid. Du coup, Romain, t'es infirmier ici? Oui. On est en réanimation neurochirurgie, 16 lits de réanimation et 8 lits de surveillance continue. Est-ce que vous avez des patients Covid ici? Non. Donc là, il y a une urgence. Qu'est-ce qui se passe alors du coup? L'infirmier déclare l'urgence, médecin qui arrive. Infirmiers okay. Et les aides-soignants. C'est un patient qui fait une détresse respiratoire. En réanimation, ils sont intubés, donc okay. Avec un tuyau dans la bouche. Lui, il ne l'a pas. Et du coup, là, les médecins sont en train de justement l'intuber pour l'aider à respirer, le brancher à un respirateur. Voilà, nickel, super, parfait. Du coup, la personne a quel âge? 71 ans. Il faut un petit coup de main là. Il est étalonné, c'est bon. Donc là, les médecins, le pré-oxygène avec l'aide des infirmières, ils vont induire des médicaments pour mettre dans un coma artificiel. C'est bon pour le respirateur. Et après, là, ils vont lui mettre le tuyau pour respirer à l'aide de différents matériels. Et après, ils vont le brancher sur le respirateur. De toute façon, d'un autre. Cette personne, qu'est-ce qu'elle avait du coup? Alors, elle avait un abcès cérébral. On est dans une chambre avec un patient. Qu'est-ce qu'il a ce patient? Alors, ce patient, il a fait un hématome dans la tête. Il est tombé ou... Eh non, il a fait ça spontanément avec juste de l'hypertension. Donc, il y a des petits vaisseaux qui sont, avec l'âge, qui sont moins perméables. Il est tombé dans le coma, il y a cet hématome. Elle est arrivée quand cette personne? Le 31 décembre. Putain, les boules quoi, juste avant le réveillon. C'est vraiment une année pourrie quoi. Il va se sortir? Alors là, pour le moment, son pronostic vital est engagé. On fait tout pour. Sylvie, ici, du coup, est dans une chambre, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Bah, du coup, le lit, forcément. Le respirateur. Ça sert à quoi ça? C'est les pouces seringues. Pour mettre les médicaments dans le corps de la personne? Tout à fait. C'est un écran pour jouer à la Xbox et à la PlayStation? Oui, c'est ça. D'accord. Sinon, ça peut servir de scope aussi. D'accord, ok, très très bien. Ça permet de regarder la fréquence cardiaque du patient. Ah, c'est ça les bip bip et les. Voilà, quoi, c'est ça. Et c'est quoi du coup cette étagère là? C'est le chariot des infirmières en fait. Dedans, il y a tout le nécessaire pour. Les pansements. Il y a des seringues ici. La bétadine. C'est quoi ce truc là? Le système d'aspiration. Pour aspirer, nettoyer la bouche par exemple. Tout à fait. Petite question entre nous, vous avez des drogues un petit peu à l'hôpital ou pas là? De l'adrénaline, de l'éphédrine, de l'atropine. La morphine c'est ailleurs, ça c'est souple. Okay. Moi tu sais quand je m'étais pété le poignet, il m'avait donné de la kétamine. Un pouce bleu en bas de la vidéo. Et oui. Et j'avais beaucoup aimé. Est-ce que c'est possible d'en avoir un peu après le tournage? Ça va être compliqué. Ah d'accord, okay. On rigole bien sûr, hein, pas de drogue les enfants. Hein. Du coup ça c'est quoi? Est-ce que c'est un ballon de rugby ça? Non. Ah. Ça sert pour respirer. Un bug. Là on va revoir le patient de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on va lui faire là? Donc là en fait il lui pose une grosse voie veineuse centrale. Qu'est-ce que vous faites? Et du coup là on pose une voie centrale. Une voie centrale. Des médicaments qu'on peut pas mettre dans les veines en périphérique. C'est trop toxique pour les veines en périphérique. Du coup on est obligé d'aller dans les veines centrales, soit au niveau du cou, soit au niveau des plis de laine. C'est le médecin qui le pose. Du coup Romain, on peut rentrer dans la porte derrière là pour voir le patient? Non, surtout pas. Là il est en train de faire une toilette et il y a quand même la pudeur du patient. Il y a des patients qui peuvent pas se toiletter tout seul, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ils sont en réanimation, ils sont en coma neurosédaté, endormis par nos médicaments. Et c'est une question bête que je vais te poser, mais une personne qui est dans le coma, comment elle fait caca? Tous les matins, on fait la toilette de chaque patient en réanimation. Et en plus de ça, vu qu'en fait les patients ne bougent pas, mais du coup on est obligé de les nercer. Nercer, donc, ça veut dire quoi? Nercer, c'est on leur fait des massages pour éviter les points d'appui. Parce que les points d'appui se transforment en escarres. Qu'est-ce qui se passe maintenant là? Du coup, il y a le staff médical. En fait, ils font le check-up un peu de toute la réanimation, de tout ce qui s'est passé cette nuit. Les complications, les pathologies, mais aussi les améliorations, donc okay. Les sorties des patients. Voilà, une heure, idem, pas de soucis sur la nuit. Ce monsieur qui est antibiotique depuis aujourd'hui. Cette réunion a lieu tous les matins. De 8h30 à 9h30. Le but, c'est que les équipes de nuit racontent aux équipes de jour qui prennent le relais ce qui s'est passé. Exactement. Rien à dire sur le plan respiratoire, toujours stable aujourd'hui. Du coup, Romain, on va aller voir un autre patient. Qu'est-ce qu'il a eu cette personne-là? Ce patient-là, il est tombé d'un arbre, fracture, c'est la colonne vertébrale. Il a un déficit, il a perdu un peu de la dextérité des doigts, des jambes. Donc, du coup, là, ce qu'on va aller voir, c'est un soin de confort où on va stimuler un peu le patient sur des gestes de la vie quotidienne, comme un brossage de dents, pour essayer qu'il récupère un peu la finesse au niveau du toucher. Là, on est en train de lui faire la toilette. Fanny vient de finir de le raser. On va lui faire le brossage dedans. Il arrive un petit peu tout seul et il faut qu'on l'aide un petit peu aussi. J'ai bien besoin d'aide. Bien besoin. Le rasage, c'est tous les jours, hein? Oui, sauf la moustache. Pas la moustache. Oui. Allez, je vous donne la brosse à dents, vous essayez? Du coup, maintenant, tu essaies de faire faire les ouais. Patients, c'est ça? Et si on voit que vraiment c'est trop compliqué, après on les aide, mais le but c'est qu'ils reprennent un petit peu la motricité. C'est un peu plus compliqué pour eux de bien tenir la brosse à dents, tout ce qui est un petit peu fait. Bien sûr. Bon, voilà, Thibaut, t'as un chariot d'urgence. D'accord, donc ça, c'est un chariot d'urgence, ça? Non, pas ça. Ça, c'est le chariot des ménages. Ah d'accord, ok. Tout le matériel d'intubation, tous les médicaments, de quoi poser une voie veineuse, ça c'est tout ce qui va être le kit d'intubation difficile. Et là, il y a le défibrillateur. Ça, c'est pour les arrêts cardiaques, pour choquer le patient. Des bouteilles d'oxygène? Bouteilles d'oxygène. Alors Mélanie, qu'est-ce qui va se passer là du coup? On va poser une voie veineuse périphérique à ce monsieur parce qu'il a un cathéter veineux central. On enlève quand les médicaments sont moins importants. Et là, je vais le raser pour que le pansement adhère un peu mieux à la peau.
Vous êtes la meilleure, de l'or. Bon, oh là là. C'est gentil, merci. Hein. Donc là, tu cherches la veine. Ouais, c'est ça. Allez, on y va, monsieur. Allez. Du coup là on n'a pas réussi du coup à trouver la veine. Exactement. Donc ça signifie quoi en fait? Les patients quand ils sont hospitalisés plusieurs jours, tout ça, mais les veines se fragilisent à force et des fois c'est pas évident. On demande de l'aide d'un médecin. C'est le médecin qui va faire une écho et après il pourra piquer plus facilement. Exactement. Là ici on a dans une des pharmacies de la réanimation. Ok, c'est là où vous stockez tous les médicaments. Tous les médicaments. De ce côté là il va y avoir tous les médicaments où les patients ils n'ont pas de tuyaux, ils peuvent manger, où on passe les traitements par la sonde. Tout ce qui va être drogue d'urgence comme adrénaline, des choses comme ça qu'on va trouver ici. Après il y a toute la partie antibiotique et tout ce qui va être des infections avec la bétadine. Alors ce patient, on va aller lui faire des pansements. On va devoir s'habiller, il est en isolement. On déshabille sous la blouse ou pas? Non, quand même. Ah d'accord, ok, pardon. Je pense que le juge est très contente. Donc avant de mettre les gants, on va quand même se laver les mains. Dans chaque chambre du manuel. Le lavage de main, ouais, c'est important. Pour éviter de mettre des bactéries, ça, des microbes. Exactement. Amélie, qu'est-ce qui se passe? Accident de voiture et il a plein de petites plaies un peu profondes. Nettoyage des plaies et remettre des petits pansements parce que ça a tendance à couler un petit peu. On met les gants. Ça fait combien de temps que vous êtes là, monsieur? Un mois. Ça commence à aller mieux là? Ok. On vous envoie de la force. Vous êtes courageux. Maman, on sèche. Ça fait un poisson qui est très absorbant parce que c'est une plaie qui a tendance à suinter un peu. Les pansements, tu les changes tous les jours? Tous les deux jours. C'est parti pour le pansement. Ouais, c'est comme une double peau, plus confortable pour les patients parce qu'ils peuvent bouger. Alors ici, c'est la grande réserve. C'est là où on va trouver tout ce qu'il nous faut pour travailler. C'est-à-dire pour les situations d'urgence, intubation, on va trouver de la mousse à raser, on va trouver des sets à pansement et des petites voies veineuses. Ok, plein de choses quoi. Du coup, Marc, qu'est-ce qui va se passer là? On va préparer une seringue de noradrénaline, une des drogues qu'on utilise spécifiquement en réanimation. Pourquoi on va lui injecter de la noradrénaline alors? Le problème, c'est la tension qui est trop basse là. On va le garder endormi avec des drogues pour remonter la tension. On va utiliser ce traitement-là. Qu'est-ce qui se passe si moi j'en prends là? Une comme ça, c'est le décès. Ah ouais, c'est vrai? Wow. Ah oui, oui. Ok, d'accord. Et voilà. C'est une grosse seringue hein, quand même, waouh. Alors du coup maintenant la seringue on la met où alors? Dans le pouce-seringue électrique que vous voyez là. Et ça tu vas le relier à quoi? Ça on va le relier directement à la voie centrale qu'on a posée tout à l'heure. D'accord, que le médecin a posé tout à l'heure. Exactement. D'accord, ok. J'ouvre le robinet, j'introduis à partir de là. Tout va se jouer avec les boutons ici. Ça va être un débit constant. La machine permet d'éviter que quelqu'un reste comme ça pendant 3 heures à appuyer. Ouais. Ça va être un gros pouce bleu en bas de la vidéo pour soutenir toutes les personnes qui travaillent dans le milieu médical. Franchement, merci à elles, merci à eux pour le travail qu'ils font. On est bien content qu'ils soient là quand on a besoin d'eux. Donc, merci à eux. Du coup, prochain box, on va voir qui alors? Alors, on va voir une patiente qui s'est opérée au niveau de la tête et du coup, elle a des problèmes pour avaler. Donc, du coup, elle peut pas manger toute seule. D'accord. Donc, en fait, on va lui poser une sonde nasogastrique par le nez qui va arriver jusqu'à l'estomac. Ça, ça permet de lubrifier un peu pour faciliter le passage. C'est pas forcément très agréable. Vous êtes prête? Vous êtes courageuse. Quand je vous dirai, vous allez essayer d'avaler la salive. Ne forcez pas. Allez, on essaie. Ah, essayez d'avaler la salive. On essaye d'avaler. Allez, on avale. Allez, c'est super. 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 Bravo. Du coup, à travers cette sonde, qu'est-ce que tu vas passer? Des médicaments? Ouais, je vais passer des médicaments pour l'alimenter également. Est-ce que c'est un service où il y a beaucoup de décès alors? Il peut y en avoir. C'est une réanimation, donc c'est des gens qui rentrent en état critique ou sinon du prélèvement d'organes. Sauver d'autres vies aussi. On demande toujours l'accord de la famille. Alors, du coup, qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais faire un électrocardiogramme, un enregistrement du cœur. C'est un patient qui est très tachycarde, contrôler son rythme. La personne, elle est endormie là? Oui, c'est un monsieur qui n'est pas sédaté mais qui ne réagit toujours pas là. Et qu'est-ce qui lui était arrivé? Et ce monsieur a eu un AVC ischémique qui s'est transformé en AVC hémorragique. Donc il a eu un saignement au niveau du cerveau. Donc là on a plusieurs électrodes, plusieurs couleurs avec des chiffres également. 130 battements par minute, c'est ça? Exactement, c'est ça. La moyenne c'est combien? 60 et 80 en fait. D'accord, donc c'est très élevé là. Oui, donc il est en fibrillation auriculaire. Donc là après le médecin c'est à lui de juger le traitement qu'on adoptera. Okay. La team Shape, dites-moi dans les commentaires quel prochain métier vous aimeriez que je fasse. Alors du coup Thomas, qu'est-ce qui va se passer là? Alors ce monsieur il va beaucoup mieux et donc il a plus besoin d'être lié au respirateur. Et donc on va lui enlever le tuyau qui va dans la trachée. Donc c'est une période un petit peu risquée. Chez lui il a tous les critères pour dire que ça va bien se passer. Je vais dire au patient qu'on va lui retirer le tuyau pour le préparer, pour l'avertir de ce que je vais faire. Monsieur, on va vous enlever le tuyau dans la bouche. D'accord? Il va falloir tousser très fort. Voilà, tousser. Très bien. Ça s'est bien passé? Tout s'est bien passé, on va lui mettre quand même de l'oxygène. Je vous mets un petit masque. Allez, respirez fort.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais, quand tu t'occupes d'une personne? Il y a toujours une part de stress, que c'est des patients qui sont à risque. On pallie, mais justement, avec les connaissances et l'expertise qu'on a en réanimation, de refaire et faire les mêmes choses. Mais il y a toujours cette part de stress, d'adrénaline un peu, qui fait qu'on espère que ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux alors? On a un scanner d'un jeune homme qui est arrivé hier. Il est tombé en fait de 3 mètres sur les pieds. Donc il a des fractures au niveau des deux pieds. Donc ça, c'est embêtant parce que ça met du temps à guérir. Il a une douleur au niveau du dos et on était inquiet sur une fracture d'une vertèbre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il a une fracture d'une vertèbre, la 4e vertèbre lombaire. Normalement, c'est la moelle épinière qui passe là. Et là, il y a un bout d'os qui devrait pas être là. Quand c'est tassé, en fait, ça a éclaté. Il bouge les jambes. Il pourra remarcher. Donc normalement, il devrait pouvoir remarcher. Okay. C'est encore un peu tôt pour être certain. Là, lui, il a de la chance. Voilà. Alors là, on va transférer un patient de son lit au fauteuil. Parce que les patients, ils peuvent pas aller tout seuls sur leur fauteuil. Et non, ils sont trop fragiles. Ils peuvent bouger, mais ils ont pas assez de tonus musculaire. Et on utilise le drap. Et je peux vous aider un petit peu? Tu pourras pas trop intervenir, toucher le patient, mais par contre, tu pourras venir aider. Oh, allez, ça marche. C'est bon, la personne est bien installée là? Presque. Ici, où est-ce qu'on est alors? Alors ici, on est au centre de simulation. Je pense qu'on va faire une réanimation d'un arrêt cardiaque. Bonjour. Bonjour monsieur. Là, tu regardes si je respire. Vous respirez monsieur? Non. Monsieur? Je te serre les mains. Monsieur, il me serre pas la main, monsieur là. Il respire pas? Il y a rien là, il se passe rien. On va masser là. Ok, on va masser. Tu vas appeler à l'aide. Il y a un téléphone là-bas. Allô? Allô le médecin? Le médecin, on a besoin de quelqu'un. Il y a un arrêt cardiaque, il faut pas venir. Ah, il y a un médecin. Bonjour. Super. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quelqu'un qui répond plus là. Il perd un peu des pecs là, il y a plus grand chose. Thibaut va pouvoir masser. Alors, Thibaut, je suis pas sûr que ce soit comme voilà. Ça. Il faut que tu aies tes épaules alignées avec tes coudes et tes poings. Allez, passe. 1 et 2 et 3 et 4. Tu dois faire une dépression de 5 cm à peu près. Adrénaline, tac, tac. Connectez 1 mg d'adrénaline, s'il te plaît. 8, 29, 30. Allez, Thibaut, tu vas venir ventiler. Donc, le but, c'est de libérer les voies aériennes du patient. Vérifie qu'il n'y a pas de dentier, pas de corps étranger. Tu vas imposer le masque là. Avec ta main, tu vas venir luxer. Quand il va être à 30, tu vas faire 2 insufflations. 30. Voilà. 2 insufflations et la paroi thoracique va se soulever. Plus vite, Thibaut, tu passes ainsi. Voilà, ça c'est bien, Thibaut. Allez, un peu plus profond, Thibaut là. Voilà, je crois que t'étais un peu plus volé que ça. Oh, désolé. Allez, tu rapproches le défibrillateur, s'il te plaît. Voilà. Il ne faut jamais s'arrêter. Okay. Le patient est en fibrillation et après on va l'intuber. Tu vas mettre les palettes, Thibaut. Du tac. Chargé. Tu t'éloignes. Hein. Choc. C'est bon, c'est bon. Choc est délivré. Choc. Le but est de lui mettre le tuyau dans la trachée. Donc ça s'appelle un laryngoscope. Tu vas le finir, je te montre. À main gauche. Et tu vas venir l'insérer dans la bouche sans casser les dents. Ah le but étant de voir la glotte des cordes vocales, d'accord? Ok. Vas-y, tu vas le tenir à main gauche. Main gauche. À main gauche. Ne casse pas les dents. Je vois quelque chose là. Voilà, tu dois mettre la sonde entre les cordes vocales avec ta main droite. Je pense qu'il a perdu la moitié des dents du haut, mais c'est pas grave. C'est bon, c'est bon. On va gonfler le ballonnet. On va regarder si le patient est reparti. Après, on va arrêter le massage. Tu tiens avec ta main gauche la sonde. Là. Là, ouais. Et tu ventiles avec ta main droite. Tu vas faire deux fois. Vas-y. Un, deux. Voilà. Thibaut, t'as réussi, le patient est reparti. C'est vrai? À présent, la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, une nouvelle vidéo dans 3 jours. Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!